place égale à HRL, Christian Clavier était le rédacteur en chef de Touche pas à mon poste. Ce mardi 7 septembre, aux côtés de Cyril Hanouna, le comédien de 69 ans s'est complètement lâché. Habitué des lieux et grand ami du présentateur, Christian Clavier a répondu aux questions des chroniqueurs et a critiqué le look du papa de Bianca et Lino, 10 et 9 ans. « Il faut que tu te changes », a d'emblée lancé la star des visiteurs ou qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu à son arrivée dans Touche pas à mon poste. Le plateau est particulièrement dissipé. Il y a une bonne ambiance, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça déborde. Chaque minute coûte une fortune, donc il faut quand même être sur le coup. A constaté amusé l'ex-mari de Marianne Chazelle. Avant de lancer à Cyril Hanouna, cette moustache est fausse, cette barbe aussi. C'est un postiche. Si vous deviez le relooker, vous le verriez comment ? A interrogé Géraldine Maillet. En blond, a répondu Christina Clavier. Il a fait blond peroxydé. Comme tous les gens qui aiment se déguiser. Il faut aussi que la personne derrière apparaisse. Question intéressante, comment le verriez-vous et comment est-il dans la vraie vie ? Vous qui le connaissez, a demandé Christian Clavier à la bande de chroniqueurs. Prof de PS, a lancé Mathieu Delormeau. Il est habillé en jogging du matin au soir. Quand on reçoit un ami, on ne se met pas en jogging, a-t-il déclaré, faisant référence à la tenue sportswear portée par l'animateur. Vous vous sentez offensé par cette tenue, a demandé Bernard Montiel à Christian Clavier. Non pas du tout, mais quand on peut donner des conseils, surtout concernant les cheveux. Point. Virgule a glissé l'acteur, moqueur. Vous avez raison. Quand on a un menton bien dessiné. C'est dommage d'y foutre une barbe, a pour sa part commenté Isabelle Morini-Bosque. Faisant allusion à la petite pique lancée plutôt par Christian Clavier, qui avait comparé Cyril Hanouna au célèbre personnage de bande dessinée Isnogol. Chaque chroniqueur y est allé de son petit conseil pour pimper le look de Cyril Hanouna, vous devriez essayer le roux. C'est très tendance pour votre dégradé tour de Pise, a recommandé Guillaume Janton. Durant son passage, Christian Clavier en a profité pour dire toute son amitié à Cyril Hanouna. J'aime bien faire de la télé avec toi mais c'est à la radio que l'on s'est le plus amusé. A confié le comédien, apparemment prêt à animer une émission sur les ondes avec le trublion du PAF.